running down to the red tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin, ça va bien? Bah oui. Hier, j'ai eu une grosse journée. T'as terminé mon coco? T'as fait un coco? Oh, il reste encore. Manger du gruau overnight. Non? Ok, c'est correct. Tu peux aller dans le salon. Hier, j'ai eu une grosse journée. Dans le fond, j'ai travaillé de 7h30 à 12h30. Après, en après-midi, j'ai travaillé sur 3 vlogs qui me restaient. J'ai mis un vlog en ligne, mais là, dans le fond, je suis à jour dans mes vlogs édités. Là, faut juste que je les mette en ligne, comme je vais en mettre un tantôt en ligne. J'ai mis un hier. Fait que c'est pour ça que je recommence à vlogger aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi sur mon livre. Fait que c'est ça. J'ai travaillé peut-être 1h30 en soirée. Fait que ça m'a fait quand même beaucoup d'heures sur l'ordinateur. Ouais. Fait que là, je suis en train de faire mon déjeuner. Dans le fond, j'ai fait chauffer des fruits. C'est des fruits congelés, mélange tropicaux, genre de compliment. Je fais mon petit yogourt. J'ai comme faim. Puis là, hier, je m'étais fait. Ben, Anthony m'a fait un shake de protéines pour déjeuner. Sauf que là, ma machine Nespresso qu'on a emportée au chalet, à bug. Genre, le cup, il coule pas au complet. Puis là, je l'ai déplugué. Je vais essayer de faire. Je vais me faire un café, je vais essayer voir si ça va bien. En tout cas, fait que aujourd'hui, on a rendez-vous. Ben là, Anthony, il est 9h11. Anthony est parti porter Jaden à l'école. Il commence à l'école, genre. Après, il revient et on a rendez-vous à midi à la Tuilerie. J'ai pris rendez-vous pour choisir la céramique. Puis, comment ça fonctionne, c'est que, tu sais, si t'as vraiment aucune idée, puis qu'il faut qu'il te montre plein de choses, c'est pas considéré essentiel. Fait que, tu sais, c'est sur rendez-vous si tu sais un peu qu'est-ce que tu veux. Fait que nous, on savait que c'était la tuile métro qu'on voulait pour la salle de bain. Donc, elle m'a dit qu'il y a à peu près comme 8 sortes, quelque chose comme ça. Fait qu'elle va les sortir d'avance. Puis là, notre rendez-vous, ben, dans le fond, on fait juste décider. Là, hier, on a pris la décision, j'avais comme 4 plans là, pour la céramique dans la salle de bain. Je les ai fait voter sur Instagram. Écoutez, ça n'a jamais, j'ai jamais fait un sondage où tout était autant serré. Écoutez, ça jouait par 5 là, dans les votes. T'sais, dans les 1000 votes, mais par 5. 1000 votes chaque, mettons. Ça alternait tout le temps qui était le premier. C'est fou parce que d'habitude, quand tu fais un sondage, tu vois, t'en as un qui prédomine. Toi, tu veux du yogourt aussi, madame? Coco. Tu veux du yogourt? Maman. Tu veux du yogourt? Tu veux du yogourt à maman? Hein? On va aller à la table. Maman va faire son café avant. Coco. Fait que c'est ça, on a rendez-vous, on a choisi. Je vous en parlerai tantôt. Bon, tout le monde, je viens de m'arranger un peu la tête. Mon Dieu, j'ai plus beaucoup de batterie, je l'ai pas chargée. J'espère que je vais avoir assez de temps de vous montrer les achats que j'ai faits. Côté pyjama. Fait que j'ai acheté au Old Navy la semaine passée. C'est arrivé vraiment vite. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud dans ma chambre. Il y a full soleil qui tape dans la journée. Fait que les gars, ils étaient tous dus pour des nouveaux pyjamas. Parce que dans le fond, Maverick était comme rendu à 5 ans. Puis tous les pyjamas 50 Jaden étaient vraiment extrêmement abîmés. Maintenant, il y avait des trous dans tout. Et Jaden aussi, il était vraiment dû. Puis je n'ai acheté deux pour Amanda parce qu'il était trop cute. Je pense qu'il était tout genre 12$. Puis il n'y avait pas de rabais qui s'appliquait parce que c'était dans, comme les nouveautés, genre. Fait que j'ai pris un 3T. Je le trouvais tellement cute. Comme ça, parce que dans le fond, les 3T, les seuls... Là, elle est dans le 2T, mais les 3T que j'ai, c'est tout des chauds, genre en polar. Fait que je me suis dit, c'est trop cute, là, les petits fruits. Puis, il n'y a pas de pieds, ceux-là. Fait que je me suis dit, ça va faire plus longtemps, au moins, parce qu'il y en a une couple de 3T. Mais j'ai trouvé trop beau. Regardez, celle-là, même. Il est trop beau. Même chose, pas de pieds.
Puis souvent, là, la grandeur 6T, elle part vite parce que c'est comme la dernière grandeur toddler, genre après c'est vraiment enfant, puis il y a vraiment moins de choix de pyjama. Fait que comme il était nouveau, ben il y avait comme dans tout. Fait que j'ai tout pris en double. Je vous l'ai montré une fois chaque, là, mais j'ai pris en 5T et en 6T. Fait que j'ai pris lui, et hey, j'avais pas le choix, là. C'est un infirmier, regardez, c'est écrit nurse. Fait que, mais les pyjamas du Old Navy sont faits vraiment slim. Fait que, ça va faire bien à Jaden, mais, ben, Maverick aussi, mais il est comme plus bâti, Maverick. Fait que, mais c'est ça, tout dépendant de votre enfant, comment il est fait. Le pantalon, il est bleu pâle. Fait que ça donne ça, je trouvais ça vraiment cute. Alors, c'est ça, tout, je les ai toutes pris en double. Pas de chicane. Là, j'ai pris... Ah, je l'ai pris deux avec des modèles shorts parce que les gars, souvent le soir, ils ont chaud. Ils se déshabillent parce qu'ils ont chaud. Fait que je me suis avec des shorts, ils vont peut-être les garder. Fait que c'est des petits avocats qui font de l'exercice avec les petits shirts. Comme ça. Fait que c'est ça, je pense que c'était tout 12$. Celle-là, c'est un pantalon. Fait qu'il est comme un peu tie-dye. C'est écrit Dino Snore. Comme ça. Mais j'aimais la couleur, genre de bleu. Puis le bas, ben, c'est des pantalons avec tie-dye, mais comme des petits dinosaures. Alors voilà, cette couleur va vraiment aller bien à Maverick. Et le dernier, c'est... c'est deux fois le chandail. C'est un short aussi. Des petits shorts, genre armés. Puis le haut, c'est écrit « Life is better in pyjamas ». Voilà. Voilà! Ça n'a pas été trop long, j'ai fait ça vite. Fait que c'est ça. Là, dans le fond, j'ai vérifié pour les mesures de notre céramique. Dans le fond, j'ai partagé les trois plans sur Instagram. Fait que je vais vous mettre le plan final qu'on a choisi. C'est comme un compromis entre ce que je préférais et ce qu'Anthony préférait. Parce qu'on s'entendait pas sur le même. Fait qu'on a été avec celui-ci qui est des demi-murs partout. Ainsi que des murs complets, trois murs complets pour le bain. Les enfants, comme je vous dis, ils lancent vraiment, vraiment beaucoup d'eau partout. Fait que cette option-là, c'est l'option qui va comme protéger tous les contours du mur autour du bain. Moi, j'aimais beaucoup celui avec juste un mur au fond. Mais Anthony, lui, il aimait pas celle-là. Il trouvait que ça faisait pas fini. Je l'aimais beaucoup, mais en tout cas, on a été avec celle-là. Puis, tu sais, là, le plan, c'est juste, tu sais, dans le fond, avec un peu ce que j'ai. Mais, fait qu'on va changer pour mettre un miroir rond. Puis, en haut de la toilette, parce que vous voyez, là, il y a comme un genre de rectangle, un espace. Je vais peut-être mettre, genre, une tablette de bois ou je sais pas trop, là, avec une plante, quelque chose du genre. Fait que c'est ça. Je vais descendre en bas, je vais charger ma batterie. C'est la première fois que je mets du mascara, on dirait que j'ai comme pas de cils. Depuis que j'ai plus de cils. En décembre, genre. Non, début janvier. En tout cas, ça fait vraiment bizarre. J'ai mis mon chandail Woman's, qui est comme super grand. Et mes leggings. De retour dans l'auto. On a été au Costco et on a été à la Tuilerie. Oh, j'ai pas vlogué hein, la Tuilerie, c'est parce que j'ai fait des petites stories pour Instagram. Ben, sur Instagram. Fait que j'ai pas pensé vlogger. Dans le fond, on a choisi de la tuile métro. C'est quoi le nom? La coupe là, c'est tout. Ok, ben c'est ça. Bon, moi je pensais que le nom c'était métro, mais c'est écrit évolution. Fait que, y avait la métro qui était comme surélevée, là. Je sais pas comment dire. Mais, elle, c'est comme celle qui est la plate et la brillante. Okay. Je vais vous montrer l'épicerie. Amanda, elle est couchée. Alors, yogourt grec nature.
On a acheté ça, les gars, ils aiment vraiment, ben les enfants, ils aiment vraiment ça, j'ai tout le temps les gars, mais ça inclut Amanda. Et on a acheté ça, c'est des Hello Panda au chocolat. C'est des biscuits au centre crémeux. Collation spéciale. Et des haricots noirs bio. Faire les repas de Monica et Anthony. Et des, il manquait de céréales, fait qu'on a pris les Ego au sirop d'érable, c'est 5$ de rabais quand même, 50%. Pour les enfants, on a acheté 3 fois ça, qui est des craquelins avec du thon, comme une salade de thon. C'est vraiment bon, il est en liquidation. Fait que ça, on a pris 3 fois. Des bleuets. Cette salade-là, avec la vinaigrette, je pense, genre de graines de pavot, là, est vraiment bonne. Regardez, il y avait de l'ail. Et nous, on en pense de l'ail. Alors, voilà. Des artichauts. On n'avait plus de confiture, pour, surtout ma mère qui aime beaucoup ça, donc j'ai pris celle au bleuet, sans changement. Du thon pour des dîners. On a acheté le poulet déjà cuit là, que tu peux rajouter comme dans des salades. Comme ça. Fait que c'est déjà tout prêt à manger. La poche de yogourt comme ça, c'est super pratique. On n'avait plus d'huile d'olive, j'aime bien celle-là. On a pris un lait. Des cornichons. On n'achète jamais ça, mais là on s'est dit c'est trop bon. Fait que ça. On a pris 4 fois la salade crèmeuse à la nette. C'est trop bon pour vrai. Est vraiment bon. On l'a pris 4 fois. Et ça, j'ai pris. C'est la première fois que je voyais. Il y a 2 soupes. C'est des soupes toscanes au chou frisé. Il y en a 2. Fait que, mettons, demain, j'ai un lunch. Je vais m'emporter ça avec un petit truc de thon. J'ai pris ça, même s'il m'en reste, parce qu'il était en spécial. Des petits bonbons comme plus santé. J'ai pris des piments, parce que j'aime beaucoup manger ça avec ma petite genre de vinaigrette, là, de vinaigrette trempette que je me fais. On a pris 2 fois les Oikos, parce qu'il est en rabais. Un autre bleuet. Un autre paquet de bleuets. 2 paquets de bananes. Des mûres. Des raisins, on a pris 2 sortes. On a pris des genres de petits rouges. C'est, on a pris les 2 sortes qui étaient en rabais, puis des genres de bleus. C'est des raisins. Donc ça. Et on a pris du riz de chou-fleur. Je le trouve bon. C'est dans le congelé, là. Des bébés carottes. Voilà. Notre épicerie. Puis là, j'ai reçu mon colis Daily Story Clothing de 29 ans. Je vais ouvrir ça. Tu réussis, Maverick? C'est parce qu'ils sont pas bien placés. Faut t'enlèves les maisons et que tu les places d'une autre main. Maverick, il joue à celle-ci. Je lui donne, il joue à... Ah, c'est drôle, les deux sont la même compagnie. Farm Games. J'ai donné jouer à ça. Maman, ça est là. Je sais pas. Faut essayer de mettre les 3. Après, on regarde. Et là, je vais bientôt m'entraîner. Alors, je vais prendre, pour la première fois de ma vie, prendre un pré-workout. Tout le monde, là, j'ai pris mon pré-workout. Et c'est ça. J'ai jamais pris de pré-workout pour m'entraîner. Et... c'est ça, celle-là c'était melon d'eau surette. Alors, ma première impression, premièrement, ça donne extrêmement un boost d'énergie. Ça dit de le prendre 45 minutes à 1 heure avant de s'entraîner. Ça doit faire 35 minutes là, que je l'ai pris. Ouais, 30-35 minutes. Fait que, tu sais, il y a de la caféine là-dedans. Fait que, c'est ça, j'ai vraiment full d'énergie. La saveur. Ça goûte exactement les melons d'eau surette. Ça goûte vraiment le bonbon. Bon, il me pique. Le bonbon. Ça dit de le mettre dans 1 à 2 tasses d'eau. Je l'ai mis comme dans 1 tasse d'eau, mais la prochaine fois, je vais le mettre plus vers 2 tasses d'eau. Parce que c'est vraiment sucré surette, là, intense. J'aime ça. Mais j'ai hâte de goûter la saveur Zyklon dans le cas énergie que j'ai. C'est ça, mais ça marche en tout cas. J'ai full d'énergie puis j'ai vraiment endormi. Et là, j'ai reçu, c'est ça, ma commande Daily Story Clothing que j'ai faite. C'était quand, samedi, genre? Puis je me suis dit que j'allais vous faire un try-on.
parce que, genre, hyper... à chaque fois que je poste, en tout cas, des photos sur Instagram avec des vêtements de là, je me fais toujours demander les grandeurs que je porte, puis si c'est fait grand, si c'est fait petit et tout ça. Alors, je me suis dit, je vais vous le montrer, tant qu'à vous montrer les vêtements, je vais vous les montrer sur moi. Je vous montre premièrement cet item qui est le... Je vais vous montrer dans le miroir, mais je vais dire en premier. C'était un One Piece qui est comme vraiment parti vite sur le site. Je pense qu'en 10 minutes, il n'y en avait plus, genre, dans toutes les grandeurs. Mais je sais qu'il va faire un restock. Puis les autres modèles que je vous montre, je sais, parce que ça, c'est exclusif au site web. Mais les deux autres que je vais vous montrer, il y a même les points de vente qui en ont, puis il y en a encore sur le site. Fait que, je vais vous montrer. Une pièce, ça paraît peut-être de... Prendre comme ça, là, mais dans le fond, il y a des petits boutons. Oh, ça focus pas. Ok. Des petits boutons. Et c'est une pièce, genre, loungewear, là. Fait que ça fait comme ça. Moi, j'ai pris le genre de crème, là. C'est fait pour être grand. J'ai pris large. C'est fait grand. Sont comme ça, les manches. J'hésitais au début à me le commander parce que comme, moi, je suis plus, genre, deux morceaux, mais... Je sais pas, il y avait un petit quelque chose de d'unique. Fait que c'est ça, je l'ai pris. Alors, le petit kit mou, c'est fait grand, ok? C'est vraiment fait pour être grand, c'est un modèle conçu de même. Fait que si c'est plus un modèle ajusté que vous voulez, c'est pas ça. Fait que dans le fond, elle disait que la taille, c'était plus genre ajustée, mais que c'était fait... plus loose, parce qu'elle montrait sur elle, puis elle disait qu'elle avait des plus grandes hanches, mettons, mais que la taille, c'est plus petit. Ça donne ça, si vous voulez voir. Fait que, mettons, moi, je le mets plus... J'aime bien le mettre, mettons, comme ça. J'aime bien le mettre, mais je parle de mes kits en général. C'est vraiment d'une douceur. Fait que vous pouvez voir, c'est fait grand. T'sais, mettons, le chandail, j'ai pris large le bas. C'est vraiment large ma grandeur. J'ai pris large le haut, mais tu sais, c'est fait grand. Fait que mettons que vous êtes fait comme moi, puis mettons que juste un médium aussi ferait. J'ai un coup de cœur pour la. On le voit pas. Attendez. La broderie. Je trouve que ça change tout. Attendez. On le voit-tu bien? C'est écrit Daily Story ici. Fait qu'ils ont fait broder. Ouais, on voit. Ils ont fait broder ici. Fait que c'est ça, tu sais, c'est un bleu unique, là, tu sais, c'est comme un genre de bleu avec du gris dedans. Fait que c'est ça. Moi, le bleu, je trouve que ça me va bien à cause de mes cheveux, je sais pas trop, là. Y a des poches sur les côtés. Alors, voilà. Puis, ce qui est drôle, c'est que ce kit, je savais que j'allais l'acheter en genre de crème, qui est la prochaine couleur. Mais quand elle a montré le bleu sur elle, c'est là comme les cheveux un peu de la même couleur que moi, là, je trouvais que c'était trop beau. Et que je le trouvais unique, unique comme bleu. Fait que voilà, je l'ai pris. Je vais vous montrer quand même la couleur. Voilà pour le crème. Fait que, ben, crème blanc, peu importe. Là, fait que, ben, on le voit plus, là, la broderie ici. Puis, et où? Ici. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un kit qui est comme... mettons, avantageux sur la silhouette, dans le sens que, tu sais, c'est fait oversize, c'est large, mais c'est genre un kit hyper confort. Alors, voilà! Il est 5h39, je me suis entraînée, genre, je sais pas, là, si c'est parce que je me suis... Ben, des fois, je m'entraîne tôt, là, mais la majorité du temps, je m'entraînais plus tard. Ça fait un petit bout que je me suis pas entraînée. Puis, j'avais vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est le pré-workout, probablement, là, parce qu'il y a de la caféine là-dedans. Mais j'avais vraiment d'énergie. Puis, j'ai fait mes jambes, ma bande élastique est vraiment, vraiment, genre, forte, là. Puis, j'étais meilleure que d'habitude, sauf que ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Fait que... J'aime vraiment le pré-workout. Venez me montrer vos beaux pyjamas. Amanda, est-ce que t'aimes ton nouveau pyjama? Oui. C'est des fruits. Attends, ma brique. C'est des fruits? Dis-le, des fruits. Oh, ma lunette est sale. Oh. Arrête demain. Ouais. Non,
On va laver demain. Ok. Enlevez ça. Il est rendu 10h30. Moi et Anthony, on vient d'écouter Big Brother. Je sais pas si vous l'écoutez. Nous, on écoute ça. Puis Anthony trouve ça bien drôle. Puis moi aussi. Fait que c'est fun. On écoute l'émission ensemble. Puis je trouve ça le fun parce que ben, y a les ondes dedans. Fait que... C'est ça. Fait que... Voilà. Et je vais vous montrer mon linge. Je vais me sortir un sac. Important, un sac là. Je viens de faire mon lunch. Puis je voulais vous montrer dans le fond que j'apporte demain. Puis je vais vous dire quelque chose. Maintenant, c'est Anthony qui s'occupe de la vaisselle. Je trouve ça bien fun. Parce que dans le fond, il me. Tu sais, d'emblée, Anthony, il cuisinait tout le temps avant. Tu sais, moi, je cuisinais pas. Pas que je cuisinais pas, mais. Je m'occupais pas des soupers. Tout le temps, lui. Puis là, ben, quand il a commencé à comme travailler. Temps plein, ben je me suis mis à faire les soupers. Souvent, pas tout le temps. Puis, tu sais, avant lui, il cuisinait, puis moi, je faisais du ménage, puis, tu sais, maintenant, lui, il s'occupe de déneiger, puis ça fait la même. Là. Mais il m'a proposé de s'occuper de plus de frères. Je lui ai dit oui. Il s'occupait quand même des fois de faire du lavage et tout ça, le lavage, séchage, mais. Il me dit qu'il allait s'occuper de la vaisselle. Alors là, depuis comme 4 jours, 3-4 jours, c'est lui qui s'occupe entièrement de la vaisselle. J'aime bien ça, parce que j'haïs ça, m'occuper de la vaisselle. Fait que c'est ça. Puis là, demain, justement, lui, il est avec les enfants toute la journée. C'était une des raisons pourquoi il changeait d'emploi, de poste, là. Parce que les jeudis, ben, c'était mon père qui gardait. On n'a personne pour garder les enfants. Ben, on avait mon père pour garder les jeudis, mais c'était quand même beaucoup pour lui les jeudis. Fait que l'Anthony ne travaille pas les jeudis pendant que moi je travaille. Alors, donc, pour mon déjeuner, je me suis fait. Je vais vous montrer. Est-ce que tu vas vraiment dire? Non, ok, attends. Je vais vous montrer. Je me suis. Ben, je me suis. Anthony me prépare mon chèque. il m'a préparé mon shake pour déjeuner. L'as-tu bien fermé? Ouais. Alors, j'ai la protéine de Yummy Sport, le Hazelnut Crunch. C'est la première fois que je vais essayer le même, mais j'y ai goûté. Puis je la trouve vraiment bonne. C'est ma saveur de protéine préférée à date. J'ai juste goûté celle à la vanille là, qui se vend au Costco. Et celle à pâte à biscuits qui se vend au Costco aussi. Ça, c'est vraiment bon. Fait que je suis vraiment contente. Et dans le fond, c'est parce que moi, pour déjeuner, j'ai pas le temps de déjeuner. Mais, tu sais, je travaille à 7h30. Je me lève genre 6h40, là. Fait que j'ai pas le temps de déjeuner. J'ai pas faim. Fait que d'avoir ça, ben, je déjeune. Dans le fond, mais je vous dis vraiment pas de remplacer vos repas par un chèque, mais c'est parce que si je prendrais pas ça, je mangerais pas. D'habitude, j'avais juste mon café le matin, le jeudi. Puis là, dans le fond, Anthony me met du lait d'amande non sucré. Du lait d'amande non sucré. Le chèque. Ben, le chèque de la protéine. Et un expresso dedans. Fait que voilà. C'est mon déjeuner. Pour mon dîner, là, je m'emporte qu'on a pris au Costco les soupes. Il n'y a plus de nom parce que c'est gros emballage. Mais c'est une soupe commensale. Fait que tu sais, elle ne se vendra pas juste au Costco. Ah, il y a genre de l'orzo ou je sais pas quoi dedans. Regardez, je sais pas si c'est ça. Mais c'est une soupe aux légumes, là. Avec du chou. Je me rappelle plus trop. Fait que bref, ça. Et avec ça, je voulais m'emporter comme quelque chose avec des comme 16 grammes de protéines. Avec des protéines. Fait que le petit snack de thon. J'ai des petits craquelins avec. Et mon dessert des bleus. Fait que voilà mon lunch pour demain. Et puis je pense que pour souper, on va faire. Ben, il va faire coquette. C'est ça qui est le fun aussi, les jeudis, tu sais, avant souvent, on allait prendre du resto parce que lui était fatigué de sa journée, moi j'étais fatiguée de ma journée, puis ça ne tentait pas de cuisiner. Mais là, comme il est là, ben il va faire des hot chicken de coquette. C'est celui qui fait le souper. Alors, c'est ça. Ouais. Fait que, sur ça, je vous dis bye bye. Je pense que ça a été un long vlog. J'ai vraiment mal dans les jambes, pour vrai. J'ai vraiment mal. Ouais. Mais, c'est ça. Je vais m'entraîner demain les bras. Mais,
on se verra. Bon petit, bye bye.